heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le manioc est à l'ordre du jour, ce tubercule qui est particulièrement apprécié en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Avec 57%, l'Afrique est le plus grand producteur mondial de manioc. Malheureusement, sa production est sujette à quelques contraintes qui affectent son rendement. Et pour en parler, je suis avec le professeur Jacques-François Mavungu, qui est le directeur pays du programme WAVE. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. J'aimerais d'abord commencer mon propos par les remerciements. Remerciements à l'adresse de Gabon 24, qui est, je pense, un partenaire non négligeable pour tout ce que nous souhaitons faire, tout ce que nous allons faire en faveur du développement de l'agriculture dans notre pays. Puisque c'est vous qui êtes censé toucher la population, toucher la communauté et aller où nous ne pouvons pas arriver. C'est ça. Donc merci encore pour cet engagement à nos côtés. Je vous en prie. Alors, on parle de l'installation du programme WAVE au Gabon. Pouvez-vous nous parler de ce projet et pour ainsi définir WAVE ? Effectivement, WAVE, je vais peut-être commencer par là, c'est-à-dire nous allons lancer ce projet ici le 6 novembre 2019 au Radisson Blu. À partir de 8 heures, je crois que je vous invite particulièrement à y être, surtout Gabon 24 devra être là pour essayer de couvrir l'événement. En effet, WAVE, c'est sigle hein, en anglais, c'est West African Virology Epidemiology. Mm-hmm. En fait, c'est un programme qui travaille en faveur du développement de l'agriculture, mais particulièrement sur des plantes à la tubercule comme le manioc. Il faut dire qu'il y a quelque chose d'assez particulier à ce programme, c'est que c'est un programme monté par les Africains, par un consortium des chercheurs africains sous le leadership du professeur Justin Pipita, qui est ivoirien, qui a étudié comme tout le monde et qui est rentré en Côte d'Ivoire et qui a mis ce programme-là en place, mm-hmm. non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble des pays africains qui sont concernés par le manioc. Comme vous savez bien, le manioc, c'est notre socle de vie. C'est-à-dire que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, même au Sénégal, ou au Gabon, notre base alimentaire est le manioc. Et ce manioc, comme nous tous, hein, c'est-à-dire c'est des organismes vivants comme nous sommes tous assujettis à des contraintes qui peuvent être physiques, naturelles, biologiques. Et ici, surtout, nous parlerons surtout des contraintes biologiques des virus. D'accord. Les virus qui sont capables d'attaquer les plantes de manioc, de les dégrader, mm-hmm. et donc de conduire, d'asservir toute une population dans la pauvreté. La pauvreté que nous, problème pour lequel nous devons lutter de façon permanente. Alors, on a parlé des contraintes par rapport à la production du manioc. Donc, ici, on parle concrètement des maladies du manioc, donc, qui sont liées à des virus. Oui, essentiellement les virus qui attaquent ce manioc, c'est la CMD, c'est-à-dire la mosaïque africaine, qui causent des dégâts importants, c'est-à-dire qui peuvent réduire les rendements de 40 à 70%. Peut-être que ça ne représente rien pour nous qui vivons en ville, mais pour des gens qui vivent de ces plantations, c'est pour les petits producteurs, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que c'est comme si vous détruisez finalement une partie de leur vie. Il y a aussi le CBSD, c'est-à-dire que la cellule brune du manioc. Alors là, c'est un virus qui cause plus de dégâts. Qui cause plus de dégâts, qui détruit totalement la production. La perte de production peut aller de 95 à 100%. Imaginez un producteur qui a mis de l'énergie, qui perd toute sa récolte. Vous voyez bien que cette personne est vraiment condamnée à la pauvreté. Et c'est de ça qu'il s'agit réellement dans ce projet, c'est de lutter vraiment contre ces pathologies pour pouvoir aider les populations à sortir de la pauvreté. Alors, on parle de maladies, donc il est quand même important qu'on soit clair. Quelles sont les origines de ces maladies ?
Bon, les origines de ces maladies, c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est des pathogènes, les virus. Dans la nature, nous tous, tous les jours, nous croisons les virus, nous vivons avec les virus. Il y a les virus qui vont être pathogènes, il y a les virus qui vont être non pathogènes, qui circulent, comme on dit, sans faire de dégâts. Mm-hmm. Il y a les virus, suivant leur spécificité parasitaire, vont s'attaquer aux animaux, il y en a qui vont s'attaquer aux végétaux. Donc soyons bien clairs là-dessus, parce que dans notre pays, il y a souvent beaucoup de confusion à ce sujet. Les virus qui causent la cellule du numéro, c'est des virus qui sont spécifiques au manioc, donc aux végétaux en fait. Alors donc là, c'est vraiment la maladie du manioc. Du manioc. Quels sont les vecteurs de propagation de ces maladies? Les vecteurs de propagation de ces maladies, on voit tout de suite, c'est des mouches blanches, hein, parlons vulgairement, c'est des mouches blanches qu'on va retrouver, vous verrez sous les feuilles, une espèce de... Mais aussi l'homme. L'homme est aussi un grand vecteur de ces, parce que quand on transporte les boutures d'un point A à un point B sans respecter la réglementation phytosanitaire, par exemple d'un pays vers l'autre, eh bien, les virus se propagent aussi à travers ces déplacements. Alors justement là, on parle de ces virus qui se propagent. Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les mesures de prévention pour éviter justement cette propagation du virus? Les mesures de prévention, effectivement, oui. Normalement, dans les pays, il y a ce qu'on appelle les services phytosanitaires qui doivent jouer pleinement leur rôle. Par exemple, nous sommes ici au Gabon. Les boutures qui partent du Gabon pour, par exemple, le Cameroun, c'est un exemple, hein, Cameroun, doivent passer par un certain nombre de séries de contrôles. Arrivé au Cameroun, ces boutures doivent être en quarantaine pour vérifier réellement si ces boutures ne sont pas porteurs de pathogènes. Mais ce qui se fait souvent chez nous, eh bien, on fait circuler des boutures d'un point A, on peut partir de Mayumba pour Oyem, Oyem pour Kulamutu, ainsi de suite. Donc, il faut un suivi régulier. Donc, la réglementation doit être de mise, doit, être, doit être vigoureuse à ce sujet. Et donc, ça nécessite une organisation. Récemment, je crois en décembre 2018, pour la première fois au Gabon, nous avons élaboré, c'est-à-dire sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Gabon, avec l'appui finalement de WAVE, on a élaboré le plan de prévention et de riposte contre ces maladies. Et donc sous peu de temps, on va faire des simulations pour voir comment finalement, toute la chaîne des décisions peut se faire en réalité. Ça permettra à tous les acteurs impliqués d'acquérir des automatismes pour pouvoir gérer ce genre de... Revenons sur les préventions. Alors, il est quand même important de dire que toute cette chaîne de contrôle, elle est importante tant pour le consommateur que pour le producteur, parce que nous sommes pas très habitués justement au contrôle. Les producteurs se disent mais non, ça peut passer d'un point A à un point B sans contrôle, mais si ces contrôles ne sont pas faits, leurs productions sont affectées, également la consommation, etc. Donc ça a un réel impact sur l'homme, pas sur la santé de l'homme, mais sur la consommation. Sur la consommation, effectivement, puisque comme on disait tout à l'heure, si toute une plantation est infectée, ça veut dire que le rendement est quasiment nul. Et même si vous récoltez une partie, la qualité du produit ne sera pas vendable, si on peut le dire. Donc ce n'est pas vraiment un impact sur la santé, c'est un impact économique. Pas impact économique et social aussi. Sur la santé humaine, je pense que ces virus n'ont pas encore traversé la barrière spécifique. Donc je pense que ça reste au niveau du manioc, mais l'impact, c'est surtout au niveau économique, au niveau social, au niveau psychologique. Parce que, je dis bien, à l'arrière-pays, les gens vivent à travers ces plantations. Une fois la plantation est détruite, eh bien, vous n'avez quasiment plus rien. Ce qui fait qu'après, bon, il y a toute une chaîne de réactions qui s'impose. Et là, ce serait un mot à l'adresse des producteurs, pour les inciter à avoir ces mesures de prévention? Bon, les producteurs, je dis, moi, je les vois en bout de la chaîne, en fait. Les producteurs, c'est un maillon dans la chaîne des valeurs. Je pense que le message que je peux lancer ici, c'est s'adresse à nous tous, finalement. Chacun, à ce niveau, doit faire ce qu'il a à faire.
le ministère doit faire la réglementation, doit bâtir la réglementation, doit mettre tout en œuvre pour que cette réglementation soit mise en œuvre et respectée. Les chercheurs doivent travailler la main dans la main avec le ministère de l'Agriculture. Les producteurs doivent travailler avec les chercheurs en écoutant les conseils, en mettant en œuvre les conseils et ainsi de suite. Je pense qu'au bout, nous aurons les résultats attendus et des résultats qui donneront finalement satisfaction à tout le monde. Alors, avec, tel que vous l'expliquez, ce projet de surveillance représente un véritable atout pour l'agriculture en Afrique. Comment est-ce que ce projet sera géré ? C'est l'occasion de saluer, de dire merci à nos bailleurs, c'est-à-dire que c'est la Fondation Bill et Melinda Gates, qui œuvre inlassablement sur la réduction de la pauvreté, et à la DFID aussi, de l'Union du Royaume-Uni, qui investissent finalement à nos côtés. Donc vraiment, il faut les remercier. Le projet, il sera géré effectivement comme tout projet, c'est-à-dire qu'une bonne gouvernance, un bon management et des suivis, évaluations à la suite. Mais il faut dire que, surtout la portée, qu'est-ce que nous, Africains, gagnons dans ce projet ? Voilà, c'était ma question suivante. Quel est justement l'avantage pour le Gabon d'abriter un tel programme ? L'avantage, moi je ne verrais pas seulement au Gabon, vous vous installez au Gabon, c'est vrai que c'est au niveau de l'Afrique, voilà. Mais ici, parce que vous allez mettre en place un laboratoire. Mm-hmm. Je pense que ça sera d'abord la toute première fois que des chercheurs des différents pays que j'ai cités tout à l'heure travaillent ensemble sur la même thématique, sur finalement le même problème qui mine les différents pays, qui vont travailler de façon concertée, avec les mêmes protocoles, avec le même dynamisme. Donc, les résultats peuvent être comparés et peut-être trouver des solutions idoines. Le projet au niveau du Gabon va nous apporter énormément, puisque, vous parlez tout à l'heure, on va installer un laboratoire. Le laboratoire va nous permettre finalement de faire le screening, c'est-à-dire de rechercher, d'identifier, de cartographier finalement quels sont les virus de manioc que nous trouvons dans notre pays. En ce moment, cette carte-là peut être un outil d'aide à la décision pour le ministère de l'Agriculture. Ensuite, nous avons aussi la formation. À travers ce laboratoire-là, nous pouvons maintenant accueillir des jeunes dames, des jeunes compatriotes pour les former convenablement aux problèmes qui minent notre pays. Donc au lieu de faire des formations comme on les fait en fait un peu à l'aveuglette, mais on va les former sur les vrais problèmes, de façon pratique, sur les problèmes qui nécessitent des solutions pour débloquer notre développement. Ensuite, vous parlez en termes d'emploi. Effectivement, dans ce laboratoire, je ne travaillerai pas seul. On va recruter des gens, on va mettre des gens en mouvement. On parlait tout à l'heure des prospections. On va prospecter tout le pays. Là encore, c'est une niche d'emploi. Le chef de l'État dit souvent que notre pays ne doit pas rester derrière les autres, mais plutôt à côté des autres. C'est déjà un grand avantage pour nous. – Alors, vous lancez le programme le 6 novembre. Quel est le thème, justement, de… – Le thème, en un mot, c'est l'union. L'union fait toujours la force. Comme je disais tout à l'heure, que nous devons suivre la dynamique d'ensemble. Parce que rester en marge, je pense que le temps va tellement vite maintenant et bien qu'on pourra réellement rester. Donc, le 6 novembre, nous allons lancer ce programme ici au Gabon. Mais en fait, nous ne lançons pas seulement pour le Gabon, nous le lançons pour tous les pays WEV. Quels sont les acteurs de ce programme? Quelles sont les personnes qui sont invitées à ce programme? Comme je disais bien, c'est tous les acteurs possibles. Les décideurs politiques, les scientifiques, les opérateurs économiques, les vulgarisateurs, les agronomes, en fait, toutes les compétences devront être là parce que finalement, c'est un projet intégré.
ou intégré qui fait appel à tous les journalistes. Parce que vous devez propager la bonne nouvelle pour pouvoir former, inviter les populations à suivre les directives qui sont édictées par le ministère de l'Agriculture. Bah, nous arrivons au terme de cette émission. Enfin, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et merci au programme WAVE de sauver le manioc. Il faut encore merci. Je remercie encore la Gabon 24. Je suis persuadé que nous allons travailler ensemble pour aller vers les populations, pour accompagner les populations, et vous jouerez tout votre rôle dans la sensibilisation. Souvent, nous n'avons pas des termes pour expliquer parfois des choses simples. Donc, vous aurez vraiment toute votre place dans le programme WEF. Merci beaucoup. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.